tristesse envahit tout pays d'Haïti, mesdames et messieurs, bon côté PNH là, bon côté la police haïtienne. Gerbi Geoffroy qui se porte-parole SPNH 17 là, monsieur tombé en babal bandit. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur TV La Caille. Aujourd'hui c'est mercredi et 30 juin 2021. Nous comptons rejoindre toutes fanatiques, 15 ans, mes compatriotes, tant quel que soit côté où dans le monde ça, pour nous porter toute première vidéo, nous pour toute première gros information qui a dominé l'actualité. Gerbi tombé en babal, yon journaliste radio-télévision Caraïbe tombé en babal avec divers lots encore. Environ 14 moun tombé, mesdames et messieurs, véritablement. Et donc son véritable et tête chargée catastrophe dans le pays. Et bien, population paniquée, traumatisée, pas connaît qui ça pour faire encore avec insécurité qui est même avalé terrain. Par ci par là, mes amis, Haïti fini. Si nous pouvons couvrir ça, et bien ouvert yeux, nous n'avons même besoin de lunettes pour nous repayer ça. Pas rien l'État qui a dirigé ces bandits qui fait ça ou voulez. Nous porter information ça pour vous pour finalement connaître réellement qui s'est passé entre eh bien, et dans le gros crime ça qui fait là, dans le gros drame ça qui passe environ. Et donc, un paquet de monde mourir dans la zone Delma 32 selon information et diverses. Et donc, monde blessé, mes amis. En tout cas, en entendant des informations, hein, pas oublier vous-même qui nouveau sur le canal. Ça, pourquoi abonner avec nous, pas hésiter à faire ça. L'amour est gratuit, tout bon. Donc, situation vraiment, vraiment compliquée, monsieur. Bon, franchement, j'ai la gorge sèche. Je ne trouve pas vraiment les mots. Parce que Jean-Yves Nedil, nous fait 25 ans à faire des faits. Nous fait 25 ans à faire des prévisions. Il y a des gens qui disent fou, nous fou. On dit, mais côté nous pour arriver. Est-ce que pas un moyen pour nous éviter que nous pas arriver là? Et je vous dis, nous badons, nous arriver côté que nous ne jamais souhaiter arriver. Bon, ce n'est pas tout pour nous pas souhaiter arriver parce que il y a un peu de monde qui travaille pour nous arriver. Côté nous arriver jeudi. L'heure grave, monsieur. Seulement sur la route de Delma 32 à Delma 34, Mackinson lui-même, les comptait. Combien de cadavres? 13 cadavres. Sorti dans la journée hier après-midi, passé pour la nuit là, pour arriver matin. Oui. Mais maintenant, en premier, sauf un taxi, tu es mort et puis bonheur. Qui hier soir, okay. Toujours dans Delma 32, ce qui fait 14. Mais l'autre citoyen, ça a eu dit qu'ils ont un hôtel Princeland, donc ce sont des gens qui étaient peut-être pas trop bon. Et donc, l'autre source qui dit c'est un coup de bâton, il est bali, et il est la gueule, et voilà. Oui. Donc, toujours ces crimes. Et à côté de deux cadavres, ça a eu, alors, plus que ça toujours, mais il y a l'autre personnalité là qui c'est porte-parole SPNH 17 là, Gerbi Geoffroy, qui recevait plusieurs balles hier dans la zone Delma 32, policier syndicaliste là mourit avant même d'y arriver l'hôpital Bernard Meuse, côté où tu es transporté pour la recevoir soin. Geoffroy, 38e promotion dans la police là, tu as gagné 35 l'année, lycée papa 3 petits, et puis il quittait en forme enceinte d'après information nous dit. Posé, faut que nous rappelions, 1er mai 2021, une photo Gerbi Geoffroy était déjà circulé sur les réseaux sociaux, dans une chemise blanche, ben, avec un liquide qui semblait accent. Personne, ni la police, ni SPNH, là, le moment, pas tant mes yeux pour débattre explication sur photo ça, jusqu'à ce que Gerbi Geoffroy lui-même te paraître dans une vidéo pour dire qu'il est bien vivant. Elle était confirmée là, elle était recevoir plusieurs balles, gros calibre, même Jacques, plusieurs autres membres syndicat SPNH 17 là, Gerbi Geoffroy, tu as gagné un avis, recherche contre lui pour assassinat, tentative assassinat, destruction, bien public, à privé, puis association mal fêtée. Nous allons parler avec le porte-parole SPNH Domon Sensi sur incident ça qui est poté aller Gerbi Geoffroy hier dans Delma 32. Domon, bonjour. Bonjour mon Dieu seul, bonjour Bob, guerrier, bonjour avec tout auditeur auditrice, Caraïbe FM, et gens que nous apprenons. Hein. Et Gerbi Geoffroy, qui s'était délégué, non. Et notre jeune garçon, 35 l'année, 28e promotion. Oui, 28e promotion. Donc, qui passait de la vie au travail. Et non, condition que nous tous nous connaissons. Et bandit, son moto, et vider
la tête dans le quartier que j'ai levé. Et j'ai déjà fait l'objet de menaces, côté que sur ma propre radio, sur les réseaux sociaux, pour dénoncer menaces que lui-même l'a pour recevoir. Et je vous dis à la, Gabi Geoffroy, effectivement, il longe, il traversé. Pardon? Oui, non, non, non. Comment est ta santé, Gabi, face avec première rumeur qui t'est circulée, t'est fait connaître, t'es recevoir plusieurs balles? Probablement, c'est t'as un monde qui t'a doué, sous carbone de l'hôpital, après soin. Comment est-ce que t'es? Probablement, t'es un monde qui t'a. Oui, oui, comment est ta santé auparavant? Parce que. Allô? Oui, papa, c'est trop phénoménal avec vous. Parce que ça attend. Oui, nous avons dit pour l'auditeur comment il t'a senti le terrier, parce que tu as une première information, tu es circulé, tu fait connaître, tu recevoir plusieurs balles. Si oui, c'est un monde qui t'a donné ce cabane de l'hôpital. Bon, et Gabi Geoffroy est parti au cabane de l'hôpital. Il est parti au cabane de l'hôpital. Et par rapport avec ça qui s'est passé à nous, nous-mêmes, on est dans ce que bien à 17, nous pas configuré parce que nous pas gagné. Cadavre, tout est toujours attendre que nous gagnions un cadavre là, que nous ouais, qu'on Gabi Geoffroy, et nous pas trouvé qu'on Gabi Geoffroy. Et par la suite, nous avons cherché à rentrer en contact avec les gens qu'on est exactement qui s'est installé. Bon, comme nous qu'on est en Haïti, et il y a un bagage qui existe, qui est mystique, que nous pas qu'à voyager, jeter, ni mettre de côté. Mais Gabi Geoffroy fait comprendre que c'est une justesse lui-même de sauver, que l'idée victime, effectivement, que l'été prend balle, c'est ça que le disait, c'est ça que l'été dit sur tout, et réseaux sociaux, yo. Et puis bon, journée et jour, à la, hier après-midi, effectivement, qu'on y a Gabi Geoffroy, il mourit pour de bon et pour de vrai. Et nous, tous, nous connaissons que Gabi Geoffroy, il était un personnage qui était déjà assassiné, il était assassiné par l'institution policière, assassiné par DG Léon Charles, assassiné par héros état-major, là, depuis l'est que ils ont tous été choisis entre dans combine pour te mettre avis de recherche derrière, mettre avis de recherche derrière Elder Lundi. Ils ont assassiné Montaro Debout. Ils ont assassiné également Yannick Joseph Debout. Ils ont assassiné coordonnateur adjoint et Carlos Santores Debout. Ils ont assassiné également délégué Roger Cecilaire Debout. Donc, ils ont été assassinés presque majoritairement, espionnage 17 et de tout. Si on dit à la, c'est pas seulement projectile et bandit au malfrat qui vit des Gabi Geoffroy à terre, mais projectile au état-major là, qui vit des Gabi Geoffroy à terre. Projectile policier tout qui était entré dans la combine, qui qu'on a joué gaz ou espionnage 17, qui a réclamé bien net, qui a réclamé et bien net, qui a réclamé les gilets casse pour que va mourir mal, pour ne pas passer mal dans si petit jour après l'heure que je suis mort, il va passer mal, et bien projectile ça y a également atteint Gabi Geoffroy. Donc c'est si pas. Bien, et si bien comprendre l'intervention là en porte-parole, le premier élément information qui t'a laissé comprendre que Gabi Geoffroy a reçu plusieurs balles, c'était intense, c'était rumeur, c'est pas des informations que tu as fondées. Bon, pour nous-mêmes, c'est pour trop j'aime des informations qui fondées, parce que jusqu'à aujourd'hui, dans pas la voilà, là, nous pouvons gagner un projet, nous pouvons gagner évidence. Donc ce n'est pas des bagages qui fondées, c'est peut-être que c'est des bagages qui à d'autres fins. Mais ça qui est important pour nous aujourd'hui, que notre statut sur les chita sur c'est ça qui passait hier là, et l'amour de Gabi Geoffroy, que les gens nous connaissent là qui allait. Donc nous avons laissé libérer nous le passé, nous chita sur présent aujourd'hui. Donc, qui sont capables partager avec auditeurs Radio Caraïbio sur l'assassinat Gabi Geoffroy hier, côté le tap sorti, à qui est-ce qu'il était sous moto, il était dans la machine privée, qui sont qu'on est comme information? Ça nous gagne comme information, Gabi Geoffroy, j'en sorti tout à l'heure, il était nous dans le quartier, de matin de ce quartier, il est donné pour la carte côté qui est levé, c'est là que l'ITI est. Donc, bandit, passé sous moto, il a tiré Gabi Geoffroy et selon ça qui dit que l'État va recevoir 9 balles. Donc le chiffre 9, finalité, accomplissement, jugement. Donc si, comme si c'est un bagage que un crime et prémédité, c'est un bagage que l'intention fait pas de quitter monsieur en vie. Donc il a assuré que lui mourit. Que, donc l'Elfine prend balle là, monde qui était dans la zone, il prend, il prend, il mettait la machine, il a transporté l'île vers Nameuse.
et pas même qui est arrivé dans la salle d'opération et que littéralement dernier soupir. Donc là, son exécution, c'est au moins qui a contrôlé, bien contrôlé, donc 9 cartouches, vous dit que vous recevez. C'est ça que vous dites, c'est 9 cartouches que vous recevez. C'est ça que mon zone a même dit. Ok, c'est 9 cartouches que vous recevez. Donc, Gabi Geffroy a placé pour le moment en un mode. Et il y a un mode PNH que Gabi Geffroy lui-même a placé. Et Jean-Ren Dian, c'est comme ça en Haïti, lorsque on va défendre droit, on va défendre intérêt. Gabi Geffroy a battu un vagabond, Gabi Geffroy a battu un monde qui a bâillé une institution problème. Les patrons des rappels, c'était un monde qui était parmi tous les jeunes universitaires qui estimaient que l'institution, ça, c'est une institution qui gagne un objectif. L'institution, ça, c'est une institution qui supposait bâiller sa population en service. L'institution, ça, supposait indépendante. L'institution, ça, supposait efficace et efficiente. Elle choisit d'entrer en dedans une structure qui s'est expert à 17, qui a réfléchi pour capable permettre que institutions les performantes, beaucoup plus performantes, côté qui t'a demandé et gilet, casse matériel de travail pour policiers, yo, qui t'a demandé également moyens, conditions de vie policiers, yo, comme qui t'a dit que le commissariat, que policiers eux-mêmes, il y a fonctionné, yo, conditions, commissariat pas bon, policiers mourir mal. Et bien, c'est ça que Gabi Geffroy lui-même t'a dénoncé, un paquet de bagages que t'a dénoncé, en dedans institution qui a mal passé. Policiers qui mourir l'argent, ils ne peuvent pas jouer l'argent pour faire enterrement. Tandis que l'argent, là, des fois, des caissements qu'on fait, il va arriver à jouer un parent. Donc, c'est tout bagage ça, Gabi Geffroy t'a dénoncé. Et que, en plus, le monde qui n'a pas senti à l'aise face avec dénonciation ça, et bien, ils mettent. Il faut la vie de Gabi Geffroy. Et quand on bagaille que tout, donc nous tous qui en dedans, FNH 17, nous avons recevoir des menaces au jour le jour, nous avons recevoir des menaces et les donateurs nous ont obligés de mettre à couvert tout le monde, nous mettre à vie de recherche derrière eux. Alors, je suis obligé de mettre à l'abri parce que nous estimons, nous gardons nous, ça qu'a fait là. Ce n'est pas des bagages qui cadrent avec la loi. Et les NAPGA des gens que l'institution manigancé et une bonne bagaille pour capable arrêter Abelson Gonek. Ils ont mis Abelson Gonek dans la prison et ils ont tué un collègue, un frère, un ami qui était bon côté, qui t'a gommé, qui t'a fait une bataille qui noble. Et bien, aujourd'hui, il y a la lumière dans la prison et que l'autre frère a la lumière. Et nous-mêmes qui l'a toujours qui a goûté, nous connaissons qui sont avec nous du surfait. Domon, qui sont à dire sous information ça yo, l'amour Gabi Geffroy, les traînés derrière ils ont latrié plus passé une dizaine d'autres cadavres, y compris Madame Duclerc, journaliste Diego Charles. Diego Charles de Vision 2000, et Gemoun qui allait plus loin pour faire connaître que il semble en représailles face avec l'amour Gabi Geffroy. Qui sont qu'à répondre? Ça n'a qu'à répondre pour ça que mon audience, c'est pour que ça est sur le tas que l'action humaine est posée. Donc, Gabi Geffroy a mouru aux environs de 4-5 heures de l'après-midi. Et quand ça a énoncé, là, c'est des cas qui passaient juste après. Et donc, nous pas capables de dire c'est ça du tout. Et si tu as ça, qui est-ce qui t'a fait, qui est-ce qui pour faire? En dehors de structure FNH, nous en a fait avec des gens qui croient dans l'institution, qui croient dans la loi, qui croient dans le principe, qui croient dans tout principe qui est capable de construire une société. Donc nous ne connaissons pas qui est ce qui t'a gagné, qui sorti à la fière, qui t'a fait. Et deuxièmement, on t'a dit que c'est à une action pareille. Il faudrait bien dire que c'est à même 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes après que Gabi Geffroy ait fait une victime et que l'action s'est passée qui t'a traîné dans la mort tout le monde. Donc nous ne sommes pas capables de mettre le bon ça. Et si nous avons mis le bon ça, c'est à cracher sur le cadavre de Gabi Geffroy. Merci Edomond. C'est votre parole SPNH 17. Oui, moi c'est votre parole SPNH 17. C'est moi qui ai remplacé Abelson Gonek. Et n'a dit avec tout policier qui est consciencieux. Et je dis là, nous pas qu'à dire que sans Gabi Geffroy lui-même les soumets, mais avec tout policier qui était accepté, entré dans la combine, accepté que déjà Léon Charles et manipulé, accepté que déjà Léon Charles prend pour craser l'institution, et bien sans Gabi Geffroy lui-même les soumets. Et en plus le courage avec famille Gabi Geffroy, avec madame Ni, et qui gagne trois timons sous bras, je ne sais pas qu'on est,
qui ça que le faire avec eux, qui pas bien mené, qui pas bien répondre, et qui gagne une autre dame également qui est enceinte, nous pas connaît. Et il n'y a pas qu'on à qui soin, avec qui sain que vous parlez, qui sait vous parlez, qui est, et qui parle d'un mot avec vous. Donc, vous l'avez encore, si vous ne savez pas, peut-être capable de faire partie des démunis qui gagnent en Haïti, si vous ne savez pas, capable de faire partie des séries de Timon qui a mal vivre, qui peut-être capable de venir des délégants en dedans de la société. Et c'est ça que nous-mêmes, nous toujours abgoumés en de notre structure là. Et c'est ça que Gabi, il n'y a pas de pour petit lit. Pour ce que les bata là, ce que l'État mourit, pour que la vie va passer mal, pour avril petit lit, ça va assurer. Mais je n'ai jamais dit, et la ville, je n'ai jamais dit, c'est passé de la vie au trépas. Merci avec vous-même, Bob. Merci avec Guerrier Dieu seul, merci avec Pierre-Renel Ouéné. Merci avec auditeurs, auditrices, qui se passent à nous pour qu'on y a. Et la demande de vous. Toujours quand tu es bon côté SN à 17, nous ne pouvons pas baisser dans la bataille là, nous ne pouvons pas abandonner la bataille là, non, suivre la bataille là, et victoire là c'est pour nous, c'est pour moi-même qui parler là, où la vie me passe également, la passer, mais il faut que les policiers, eux-mêmes, il faut que l'institution, ils sont institutions qui sont nobles, il faut que les policiers aient leur condition de vie, il faut que l'institution soit indépendante, il faut que l'institution lui réponde avec normes internationales, même gens que l'autre. Police a fonctionné dans le monde là, faut que l'institution fonctionne même chanteau. Merci, monsieur. D'accord. Voilà, mes amis auditeurs, nous attendons policier Daumont, et qui lui-même c'est porte-parole, SPNH 17, première réaction après assassinat qui fait sous policier Gabi Geoffra, 28e promotion de la police nationale hier, qui passait de vie à trépas PRR.